نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إذا من يقرأ بكلية طب قسنطينة في ننطلق في الحصة الثانية مع الدكتور بن خالد أكرم في لا بنومولوجي لو موديول دو بنومولوجي avec l'exploration de la plèvre. On peut commencer, docteur. Et bien sûr, merci Ismaël. J'espère que vous allez Merci bien, beaucoup, vous allez docteur. tous bien. Bonsoir. Donc, toujours ravi et heureux, bien sûr, d'être parmi vous aujourd'hui. Pour compléter ce qu'on a commencé la semaine passée, pathologie pleurale, les modalités et les explorations des différentes, bien sûr,
pathologies qui peuvent toucher donc la cavité pleurale. Aujourd'hui, inchallah, donc on va parler, discuter sur les modalités d'exploration de la cavité pleurale si on a bien sûr donc un épanchement pleural liquide. Voilà, il faut savoir aussi que donc des pneumologues, la plèvre pour nous, on la considère pratiquement comme le poumon. Hein. C'est un organe proprement dit. Vu donc la contiguïté, vu son rôle très important, vu aussi donc sa fonction primordiale, soit dans la respiration, soit dans la fonction physiologique mécanique, donc elle est bien sûr sa communication avec une vascularisation, avec un système nerveux, donc il est toujours obéi à certaines pathologies, comme lui, voilà, et bien comme un parenchyme pulmonaire ou bien les alvéoles. Donc, on a parlé la dernière fois sur le pneumothorax, on a fait un petit rappel, on a discuté trois cas cliniques. J'espère que c'était très bien marché pour vous, vous avez appris plein de choses. Et aujourd'hui, on essaie donc, dans une heure ou bien du temps, de parler comment on peut explorer un épanchement pleural liquidien. Avant de commencer, il faut savoir que sur le volet pneumo, donc les pneumologues s'intéressent beaucoup plus aux épanchements pleurales liquidiens qui sont de type exudatif, c'est-à-dire l'origine est inflammatoire, c'est pas mécanique parce que l'origine mécanique, il relève souvent d'autres disciplines médicales comme la cardiologie, donc la gastrologie en matière d'hépato et la néphrologie aussi. Donc, devant tout épanchement pleural liquidien, il faut savoir que c'est un motif très fréquent de consultation en médecine générale. Donc, l'épanchement pleural liquidien, comme l'épanchement pleural aérien, il se traduisait bien sûr par plusieurs symptômes, soit cliniques bien sûr, et à l'examen physique. Comme l'épanchement pleural aérien, on a toujours la douleur de type thoracique, la dyspnée d'installation progressive, et bien sûr une douleur de type pleural associée à une toux qui peut changer avec une modification de la position du patient. Et bien sûr, les symptômes sont toujours relatifs à l'étiologie. Donc, l'intensité, la gravité, l'apparition des symptômes sont liés à l'intensité donc de l'abondance de l'épanchement pleural et aussi de l'étiologie. Donc, si on est devant un épanchement pleural liquidien, donc le diagnostic, il est avant tout, c'est clinique, d'accord? Comment on a avec la clinique? C'est-à-dire, donc, le malade, il vient se plaigner de six symptômes majeurs en rapport avec une atteinte pleurale. Dans l'examen physique, il y a quoi? Donc, il y a aux quatre temps, à l'inspection, vous avez une asymétrie des hémithorax, un hémithorax qui atteint un épanchement pleural liquidien, il est immobile, ou bien moins mobile par rapport au côté, ou bien à l'hémithorax sain. D'accord? Il y a une asymétrie et la mobilité, elle est moindre, voire même, elle est immobile. J'ai bien dit, tout dépend bien sûr de l'abondance du liquide dans la cavité pleurale. Ça, c'est un. Deuxièmement, si on passe à la palpation, il y a la matité, d'accord? Il y a donc plutôt la transmission, beaucoup plus de vibrations vocaux qui est donc diminuée ou bien abolie. Puis à la percussion, on a dit que c'est une matité, contrairement au pneumothorax, aux épanchements pleurales aériens. Et en dernière position, c'est à l'auscultation qu'il y a une diminution, voire même une abolition des murmures vésiculaires et des fois, on peut entendre bien sûr un frottement pleural. Voilà, c'est grosso modo ça, c'est à l'examen clinique. La confirmation, comme le pneumothorax, c'est une confirmation qui est purement radiologique, hein, c'est-à-dire une radiographie thoracique de face qui va objectiver une opacité, contrairement bien sûr au pneumothorax, ça, c'est une hyperclarté avasculaire. Selon l'épanchement pleural liquidien, donc c'est une opacité qui est dense, qui est homogène, selon elle est homogène, elle n'est pas hétérogène, qui est dense, homogène, qui est souvent libre dans la grande cavité, ça veut dire par l'effet de pesanteur, donc le liquide, il va s'accumuler dans le bas, elle va effacer la surface ou bien les limites de l'hémicopole diaphragmatique. Donc, on ne voit plus l'hémicopole diaphragmatique. Elle va combler les deux cul-de-sac. Donc, vous avez la cul-de-sac cardiophrénique et le cul-de-sac costodiaphragmatique. Et bien sûr, elle va effacer selon l'abondance, d'accord, selon l'abondance, le bord, d'accord, du médiastin
en commençant du bas, le bord du cœur, jusqu'à le médiastin, et bien sûr, la limite externe, donc toujours, elle est en rapport et elle colle à la paroi thoracique. La limite supérieure, elle diffère selon si on est devant, bien sûr, un épanchement libre dans la grande cavité pleurale. La limite supérieure, souvent, elle est concave vers le bas et en dedans. Et comme ça, on peut faire la différence de façon facile entre un épanchement pleural aérien et un épanchement pleural liquidien. Je vais essayer, bien sûr, après de vous montrer quelques images concernant la pathologie pleurale liquidienne. Voilà. Si on est devant un épanchement pleural liquidien, d'accord, c'est bien sûr, on doit connaître comment il s'agit de quoi, c'est quoi l'étiologie pour faire penser au diagnostic. Donc, le point de vue, tant que des pneumologues, c'est de chercher un épanchement pleural liquidien d'origine exudative. Mais pour prouver ça, est-ce que c'est un exudat ou bien c'est un transudat? Et pour voir la composition de ça, si on fait appel au premier geste, c'est la ponction pleurale. La ponction pleurale, on a deux types. Il y a la ponction pleurale exploratrice, c'est notre sujet pour aujourd'hui, et la ponction pleurale évacuatrice, c'est rentre dans le cadre de la thérapeutique s'il y a un épanchement qui nécessite l'évacuation. D'accord? Aujourd'hui, on va parler de la ponction pleurale exploratrice, les modalités, les moyens, les indications, les contre-indications et les résultats qu'on peut les voir, d'accord, devant un épanchement pleural liquide. Voilà. En commençant par la définition du geste, les objectifs, on va faire un petit rappel anatomo-physiopathologique, les indications du geste, les contre-indications, le matériel et méthode, l'analyse du liquide avec les résultats, les incidents et les accidents, et on terminera par une petite conclusion. Voilà. Comme geste, comme définition, donc la ponction pleurale, c'est quoi? Elle, c'est simple. Si c'est un geste médico-chirurgical, tout médecin généraliste, il est apte de faire une ponction pleurale exploratrice. Elle consiste à quoi? D'introduire une aiguille. C'est une aiguille, comme l'aiguille. C'est l'aiguille, donc, d'une seringue, entre les deux feuilles de la plèvre. Donc, on a bien dit que la plèvre, qu'on considère comme un viscère proprement dit, comme une sureuse de feuilles, la feuille viscérale collée au poumon, la feuille pariétale collée à la paroi thoracique, c'est l'aiguille qui va donc rentrer entre les deux feuilles parce que le liquide il s'accumule entre les deux feuilles. Donc, les objectifs ou bien les buts, c'est quoi? Donc, le premier objectif, c'est confirmer la présence de la pleurésie. Pourquoi? Parce qu'il y a des diagnostics différentiels, surtout sur le plan radiologique. Devant une opacité dense homogène, ça peut être une pneumonie et ça peut être une atelectasie. Donc, il faut confirmer le diagnostic. Deuxièmement, c'est vidé dans tous les cas où la tolérance est mauvaise. Et ici, c'est le rôle de la ponction pleurale évacuatrice. D'accord? C'est un geste qui est thérapeutique. Et bien sûr, l'objectif principal, c'est quoi? C'est prélever pour avancer dans la démarche étiologique, pour faire les différentes analyses qu'on va les voir au fil de cette présentation. Un petit rappel pour vous dire que la cavité pleurale, donc comme j'ai dit dans le TD, ou bien la présentation précédente sur le pneumothorax, qu'elle est composée de deux feuilles, une feuille en rose, voilà, qui est viscérale en rapport avec le parenchyme pulmonaire en bleu, et une feuille pariétale en violet, vous voyez là, et entre deux, il existe donc l'espace pleural qui est réellement, c'est un espace qui est pratiquement virtuel, mais cette virtualité, elle est subjective. Pourquoi? Parce qu'à l'état normal, il existe déjà un liquide. Et ce liquide, c'est une fine lame liquidienne qui assure le glissement entre les deux feuilles. Vous voyez avec moi, la plaque, elle est très remplie, mais vous voyez le plus important, que la surface pleurale est pratiquement, elle arrive à 1000 cm². À 1000
centimètres carrés. D'accord? Pratiquement, c'est un mètre carré. Et à l'état physiologique, il y a un petit film liquidien qui sépare les deux feuilles pleurales et viscérales. Et vous voyez l'épaisseur, c'est 20 micromètres. Elle est très microscopique. Et elle contient un liquide. Et vous voyez que la quantité du liquide qui existe à l'état physiologique, elle est estimée à 0,3 ml par kilogramme. Et de façon générale, elle va aller entre 7 et 14 ml. Entre 7 et 14 ml. La sécrétion de ce liquide, elle se fait de façon continue, hein, avec un renouvellement régulier. Et bien sûr, sécrétion et résorption, il y a toujours, s'il y a un renouvellement, donc il y a une sécrétion d'une nouvelle quantité et absorption de l'autre quantité. Pour assurer, bien sûr, cette quantité qui, pour rester de façon physiologique, elle est obéie à quoi? Elle est obéie à la loi des pressions. C'est un équilibre entre la pression hydrostatique et osmotique de la part et d'autre de la plèvre pariétale et la plèvre viscérale. Il faut savoir que l'absorption pleurale à l'état normal, d'accord, elle est assurée beaucoup plus par les réseaux lymphatiques de la plèvre pariétale. Le réseau lymphatique de la plèvre pariétale qui sont capables de générer une pression, d'accord, subatmosphérique moins de 16 cm d'H2O, d'accord. Et bien sûr, sur les mammifères, bien sûr, vous voyez la dernière phrase, qu'ils peuvent accroître leur flux d'absorption 20 fois, d'accord, s'il y a une augmentation du volume du liquide pleural. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, à travers sa plèvre pariétale et à travers son réseau lymphatique, il peut augmenter l'absorption du liquide pleural. C'est bien sûr, il y a un excès de liquide, quelle que soit l'étiologie, 20 fois à l'état normal. Et si tous ces mécanismes sont dépassés, on aura une accumulation du liquide et la constitution d'un épanchement pleural liquidien, quelle que soit son étiologie. Voilà. Il faut savoir que ce liquide, il a une composition à l'état physiologique. Et c'est très important de connaître cette composition. Pourquoi? Parce que à travers la modification de ces compositions, on peut bien sûr avoir donc une orientation étiologique. D'accord? Le pH donc du liquide pleural, il est estimé. La composition en protéines, c'est-à-dire la pièce maîtresse ou bien notre pierre angulaire dans l'analyse du liquide pleural lors de la ponction, que les protéines sont la quantité estimée à 20 grammes par litre à l'état physiologique. Alors que l'albumine représente la fraction la plus importante des protéines et elle va dépasser la moitié, voire même les deux tiers des protéines retrouvées dans la cavité pleurale. Le glucose, vous voyez qu'il est identique à la valeur de la glycémie. Et ces chiffres sont très importants à retenir. Et le LDH, donc, il est moins de 50% de la valeur sanguine. Pratiquement, c'est la moitié donc, de l'LDH sanguin. Il faut retenir par cœur ces éléments parce qu'à partir de cette étude biochimique, d'accord, des liquides pleurales, on aura une orientation étiologique. Ça, c'est les caractéristiques chimiques. Mais aussi, on a d'autres caractéristiques du liquide pleural. C'est les caractéristiques donc hématologiques ou bien cytologiques. Ça veut dire cytologique, c'est-à-dire la composition cellulaire, les nombres de cellules retrouvées dans un liquide pleural à l'état physiologique, elle est estimée à 4500 éléments par millimètre cube. D'accord. S'il y a une augmentation de la cellularité ou bien une modification de cette cellularité, d'accord, on aura aussi une orientation étiologique. Vous voyez que les monocytes représentent la moitié de la composition cellulaire du liquide pleural. Bon, deuxièmement, que les cellules mésothéliales, c'est les cellules clés dans la plèvre, c'est seulement 3%
retrouvés dans la cavité pleurale. Et vous voyez les lymphocytes, c'est un élément très très clé. C'est pratiquement le 1 dixième, même pas 10% de la composition cellulaire du liquide pleural. Et bien sûr, le reste de la population, elle représente entre 29 à 35% des cas. Et vous voyez certainement qu'on n'a pas des polynucléaires neutrophiles hein, qui sont comme une population dominante dans la composition cellulaire physiologique des liquides pleurales. Donc, un volet biochimique, c'est très très important, et un volet cellulaire. À travers l'analyse des liquides pleurales à l'état pathologique, et on va les comparer avec la composition naturelle et biologique et physiologique, on a une belle orientation, bien sûr, de la nature d'un épanchement pleural liquide. Très bien. La physiopathologie, c'est quels sont les mécanismes qui peuvent générer un épanchement pleural liquide. D'accord. Brièvement, et je vais résumer, d'accord, il y a deux entités majeures. Premièrement, il y a une agression de la plèvre. C'est-à-dire que la plèvre, elle va devenir pathologique. Donc la plèvre, elle. Le deuxième mécanisme, on a dit que la régulation entre ou l'équilibre entre l'absorption et la résorption du liquide pleural, il obéit à quoi? À un équilibre entre la pression, les différentes pressions de part et d'autre de la cavité pleurale. Donc, quelles sont, selon les causes responsables d'une plèvre pathologique ou bien une agression de la plèvre? On a les causes traumatiques, d'accord? Si on a une cause traumatique, on peut avoir un pneumothorax, l'accumulation du sang dans la cavité pleurale, et bien sûr, elle va se prononcer sur une radiographie thoracique et même à l'examen infection. Si vous aurez une infection au niveau pleural ou bien par continuité, c'est-à-dire il y a une infection au niveau du parenchyme pulmonaire, on a carrément une pneumonie par continuité. Donc l'infection, elle va passer à la plèvre et elle va donner une pleurésie qui est selon une pleurésie type pleurésie pulmonaire. Ça veut dire soit une néoplasie tumorale primitive au niveau de la plèvre comme le mésothélium, d'accord, ou bien une pleure qui est malheureusement, c'est un siège prédilection des localisations secondaires d'une néoplasie à distance, soit loco-régionale comme le poumon, ou bien à distance comme la thyroïde, le sein, etc. D'accord. Et bien sûr, il y a aussi les causes inflammatoires, il y en a plein. D'accord. Il y en a plein de causes inflammatoires qui peuvent causer la genèse d'un épanchement pleural liquide. À titre d'exemple, la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde, donc, c'est une entité. Elle fait partie des maladies auto-immunes ou bien actuellement on l'appelle des maladies auto-inflammatoires. Hein, d'accord. Parmi ces manifestations, parce que c'est une maladie systémique, d'accord. Et donc, elle donne dans plusieurs cas un épanchement pleural liquide. Voilà. Ça, ce qui concerne la pneumonie. Par contre, s'il y a un déséquilibre de pression, la plèvre, elle est saine, mais les pressions sont déséquilibrées. C'est le cas d'une insuffisance cardiaque, une hypoparathyroïdie, une insuffisance hépatique, bien sûr, une insuffisance rénale. Tout ça, c'est des causes mécaniques. Et c'est pour cette raison, la composition du liquide, elle est due à un déséquilibre entre les pressions. D'accord? Maintenant, on va parler des indications et les contre-indications de ce geste. Donc, tout geste, il a ses indications et il a ses contre-indications comme tout geste qu'on est en médecine. Bon, quelles sont les indications? Donc, de façon générale, que la ponction pleurale, il est indiqué chez tous les patients qui présentent un épanchement pleural liquidien dont l'origine, il est indéterminé. On ne connaît pas son origine.
Parce que dans certains cas, il y a des tableaux évocateurs. D'accord. Si par exemple, on a un épanchement pleural liquidien avec un tableau clinique évocateur, d'accord, c'est-à-dire le caractère transudatif ou bien mécanique, il est connu. Je vous donne un exemple, hein. Un malade qui est connu pour une insuffisance cardiaque, il est connu, il est suivi. Il fait une décompensation cardiaque. Une décompensation cardiaque, parmi ses conséquences, un déséquilibre entre la pression oncotique et la pression hydrostatique. Donc ici, parmi les mécanismes de soulagement, d'accord, il y a la fuite du liquide dans les séreuses et surtout dans la cavité pleurale. Si on a un épanchement pleural liquidien, souvent bilatéral, bien à gauche que à droite, c'est un malade déjà connu. Donc ici, on peut passer d'une ponction exploratrice et on va suivre la stratégie de surveillance après, bien sûr, l'introduction du traitement étiologique qui vise, bien sûr, cette décompensation cardiaque. D'accord. Mais si, en globalité, si on veut dire que l'origine, il reste inconnu, donc ici, c'est la stratégie de faire la ponction pleurale et lancer les explorations nécessaires afin de déterminer l'origine de l'épanchement. Si on parle des contre-indications, en réalité, il n'y a pas de contre-indications absolues pour ce geste. D'accord. Mais il y a certaines précautions à prendre dans certaines situations particulières. D'accord. Si l'épanchement est de faible abondance, on risque bien sûr d'avoir une ponction blanche. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ramener du liquide, il faut faire attention, on peut blesser le poumon et on peut provoquer un pneumothorax iatrogène. Il y a aussi les troubles d'hémostase. Les troubles d'hémostase, il faut faire attention s'il n'y a pas de troubles et d'hémostase qui peuvent causer, bien sûr, donc un risque d'hémorragie à l'intérieur de la cavité pleurale. Par exemple, un malade qui a une thrombopénie sévère ou bien un TP vraiment bas ou bien un malade qui est sous traitement anti-vitamine K, sur Sintran par exemple. Voilà. Il faut faire attention aux patients sous ventilation mécanique, hein, d'accord ? Ou bien aussi pour les pleurésies d'origine mécanique probable. Donc c'est, comme j'ai dit, l'origine clinique ou bien le profil clinique et les connus, on peut passer. D'accord. Il faut éviter d'aller de faire ou bien de pratiquer des ponctions devant des zones cutanées malades, comme les infections cutanées virales, comme zona, donc de préférence, vu le risque de contamination et la propagation de l'infection virale cutanée et la douleur très très importante gênée par cette zone-là. Donc, on peut bien sûr passer et chercher un autre endroit, d'accord, pour faire notre ponction pleurale. Et grosso modo, pas contre-indication absolue, c'est juste des précautions, bien sûr, à faire. Un malade sous anti-vitamine K, c'est vraiment, on a un impasse diagnostique, une indication formelle de la ponction pleurale. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On peut arrêter les antivitamines K en collaboration avec notre collègue, les médecins cardiologues ou bien les internistes, substitution par une autre anticoagulation. Le temps que le bilan d'hémostase il va se normaliser, on pratique la ponction, d'accord, soit exploratrice, voire même évacuatrice, et puis on peut les reprendre facilement. D'accord. Voilà. Quelles sont les modalités et le matériel et bien sûr la méthode juste pour faire cette ponction? Donc, on va essayer d'apprendre comment on peut faire bien sûr ce geste. C'est très facile. Mais avant de commencer, il y a le matériel nécessaire. Il faut préparer le matériel. Vous voyez, le matériel, il est simple. Un plateau, d'accord. Paire de gants. On préfère toujours les gants stériles, d'accord. Un trocard de la plaire ou bien une simple seringue. Simple seringue, elle est largement suffisante. Soit, nous, en pneumologie, on préfère les seringues à 60. Pourquoi? Pour générer à 66, ça donne les grosses seringues, d'accord, les plus volumineuses. Je vais les montrer sur les images pour générer une pression, d'accord, très importante pour faire gagner la pression à l'intérieur de la cavité pleurale. Parce qu'on ne sait pas, on est devant quoi. Si le liquide, il est purulent, ou bien c'est un hémothorax, c'est difficile, bien sûr, d'avoir ce liquide. Donc, on a besoin d'une seringue de grosse calibre ou bien des seringues de 60 cc pour générer une pression très importante pour ramener du liquide. D'accord. Par rapport à l'aiguille, nous, on préfère donc les aiguilles des abords veineux solides. Donc, les abords veineux solides,
de couleur grise, c'est la plus longue et le diamètre le plus important. D'accord, c'est comme ça. On a une marge, d'accord, de faire notre geste de façon facile par rapport à l'introduction et la distance. Et bien sûr, le calibre est très, très important et la pression à travers l'huile. Les compresses stériles avec la bétadine pour la désinfection. D'accord. Des fois, on peut faire appel à une anesthésie locale, mais ce n'est pas le cas pour tous les malades. D'accord. La seringue à 66C, un robinet, si par exemple, on a besoin de faire une ponction évacuatrice en même temps, ou bien pour faire laver la plèvre, pour faire introduire une autre seringue remplie de sérum, donc mêlée avec la bétadine, quel que soit. Et bien sûr, une source avec système d'aspiration. Pourquoi ? Si on est devant une ponction évacuatrice. Mais pour la ponction pleurale exploratrice, c'est juste la seringue, la borvine solide, c'est juste l'aiguille métallique avec un plateau, des compresses, de la bétadine et des gants stériles. Voilà. C'est devant vous des images comme des petits trocars de la plèvre, mais souvent c'est le même principe, hein, pratiquement. C'est le même principe de l'aiguille de cuisse. Mais nous, ici, on ne dispose pas de ces éléments-là. C'est juste une aiguille, elle est largement suffisante. D'accord. Vous voyez, voilà, comme celle-là, un abonvénus solide lié donc, à une petite aspiration. On peut donc brancher la seringue ici, mais nous, on préfère de brancher la seringue directement sur l'aiguille. Voilà. Donc, à la technique, le patient... Bien sûr, il faut toujours une préparation. Hein. Il faut expliquer le patient le geste. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Pourquoi on va le faire ? On doit le rassurer, on doit le calmer. D'accord ? Le patient, il ne doit pas être âgé. D'accord ? Parce que c'est un malade âgé pour pratiquer une ponction pleurale exploratrice. Et donc, il est susceptible de faire des troubles vagaux et émotionnels, voire même, d'accord, une DMV. Donc, il faut faire attention. Il doit bien manger, d'accord. Le patient, souvent, il est assis, d'accord. Il est assis, d'accord. Et bien sûr, les bras croisés sur les tables la table d'examen. Comment ça? Donc, même, qu'est-ce qu'on préfère? Sur une table, comme celle-là. Sur une table, d'accord. Sur une table. Sur une chaise, d'accord. Je vais vous montrer ça. Sur une chaise, d'accord. Voilà. Il va être assis, en position assis, d'accord. Et bien sûr, les bras croisés sur la tête, comme ça, voilà. Et là, essayez bien sûr de faire le gros dos, d'accord. Ça veut dire quoi? Donc, il va rester comme ça, d'accord. Sur la table, il va faire le gros dos, bien sûr, pour la surface du dos, d'accord. Pour être bien courbé, le malade les mécone bien courbé. Pourquoi? Pour essayer de, bien sûr, d'élargir les espaces intercostaux et faciliter l'introduction de l'aiguille à l'intérieur. Vous voyez, comme un schéma, sur une chaise, d'accord, soit sur la table ou bien il essaye, bien sûr, de croiser soit les bras ou bien sûr sur sa tête, faire le gros dos ici, comme vous voyez, avant d'introduire l'aiguille entre les deux fils de la pierre. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire désinfecter le siège, d'accord, cutané, une désinfection circulaire du centre vers le périphérique, d'accord, avec ou sans anesthésie locale, d'accord. Il faut savoir de faire choisir le siège de la ponction. Ça, c'est l'élément clé. Que là, c'est où on va introduire notre aiguille et comment. Voilà. Donc, physiquement, le liquide, il va s'accumuler dans le bas, d'accord. Donc, vers le bas du thorax, de l'hémithorax. Donc, on va chercher la matité à travers l'examen physique. Si on cherche, on va repérer la matité. Cette matité, souvent, elle est toujours en bas. C'est entre le 7e et le 9e, bien sûr, espace intercostal. En pleine matité, c'est-à-dire finus la matité, en pleine de matité, en plein de la matité, on va chercher bien sûr l'espace intercostal. D'accord. Je répète, souvent entre le 7e et le 9e, on va repérer le bord supérieur de la côte inférieure. Donc, on a l'espace, on a une côte, et une côte inférieure.
le bord supérieur de la côte inférieure, c'est on va introduire une aiguille comme ça. Pourquoi? C'est pour éviter le paquet vasculaire nerveux qui se situe souvent sur les bords inférieurs des côtes. Donc, on va toujours introduire notre aiguille de façon perpendiculaire sur le bord supérieur de la côte inférieure en pleine dermatite. Voilà. Dès qu'on va introduire notre aiguille, d'accord, on commence à aspirer, d'accord. Ce n'est pas le contraire, c'est-à-dire qu'on va introduire bien l'aiguille, mais je vais faire l'aspiration. Non. Donc, dès qu'on introduit, on dépasse le plan subcutané, on commence à aspirer. Dès que le liquide il rentre dans la seringue, on s'arrête, on n'enfonce plus. On est déjà dans la cavité pleurale. Et on commence à une aspiration douce jusqu'à qu'on peut ramener une quantité suffisante pour faire les différentes études. Ce n'est même pas une dizaine de cc, 15 de cc, elle est largement suffisante. D'accord. Mais l'essentiel, bien sûr, quand on va faire une aspiration douce, de façon, c'est-à-dire éviter donc, d'être très rapide, d'accord. Dès qu'on arrive à la cavité pleurale, le liquide il commence à rentrer dans la seringue. Donc, on reçoit donc, la quantité suffisante et on va bien sûr retirer notre aiguille dans le même sens, de façon perpendiculaire, et on va désinfecter. Comme ça, quand je parle, peut-être que ça vous paraît difficile, mais quand même, je vais vous montrer avec des images réelles sur un patient réel comment on peut faire cette fonction. Voilà, ça c'est un schéma. Vous voyez notre aiguille, d'accord. C'est la côte supérieure. On est en pleine dermatite. Ça, c'est bien sûr le liquide dans la cavité pleurale en bleu. D'accord, c'est la plèvre pariétale. En vert, c'est la plèvre viscérale. Et en bas, ici, c'est le cul-de-sac pleural. Donc, on a repéré notre dermatite, le bord supérieur de la côte inférieure pour éviter le paquet vasculaire nerveux qui se situe en bas des côtes. D'accord. Et on commence à introduire notre aiguille. Dès qu'on va introduire et dépasser le plan subcutané, on commence de faire l'aspiration douce. Dès qu'on arrive à la cavité pleurale, le liquide il commence de rentrer facilement dans, bien sûr, la seringue. Voilà. Ça, c'est des photos réelles. On l'a pris durant notre stage de résidana, donc à l'hôpital central de l'armée, pour vous montrer qu'on a repéré ici, à votre gauche, d'accord, la matité, et on a fait une désinfection large de l'hémithorax. Vous voyez qu'il y a un épanchement pleural liquidien pratiquement donc de la base de l'hémithorax droit, une large désinfection. Et vous voyez pratiquement entre le 7e et le 9e. C'est le siège de prédilection, c'est la physique, par l'effet de pesanteur. D'accord. Voilà, une large désinfection du centre vers le périphérique. Après, vous voyez notre seringue, elle est là. Et vous voyez la position du malade. La grande courbure, elle est assise sur la chaise. La grande courbure, vous voyez là, la seringue à 66C avec une aiguille grise, t'as la bord veineux solide. Voilà. Mon collègue, Dr Jubeil, qu'il me manque beaucoup, hein, il est à Oran maintenant. Voilà, il essaie de repérer, voilà, le bord supérieur de la côte inférieure pour introduire notre aiguille de façon perpendiculaire. D'accord. Vous voyez, ici, de façon perpendiculaire, il a ramené du liquide dans la cavité pleurale, pratiquement 25 cc, qui est largement suffisante. Mais vous voyez le patient, ce patient, il est obèse. Il a un plan adipeux très, très épais. Pour avoir, vous voyez, pour arriver à la cavité pleurale, je m'excuse, vous voyez l'aiguille, pratiquement, c'est tout l'aiguille qui est rentrée, malgré qu'il est long, dans la cavité pleurale, pour qu'on a pu ramener notre liquide pour faire les analyses. Vous voyez, d'accord? Très bien. Comment on peut analyser notre liquide maintenant? Voilà. Avant de commencer, il faut toujours rester clinicien. C'est de passer par les temps de l'examen physique. L'analyse du liquide est primordiale de façon macroscopique. Ça veut dire quoi? L'inspection. Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi la couleur du liquide? D'accord, à travers nos yeux, déjà, on peut avoir une idée. D'accord, voilà. Vous voyez que la ponction pleurale, pour viser un diagnostic précis, on a besoin de 25 à 30 cc.
D'accord. L'aspect macroscopique, vous voyez qu'il y a quatre aspects. Selon la couleur, à travers nos yeux, quatre couleurs, c'est simple. Il y a de la couleur claire, comme on a vu dans cette photo. La couleur claire, c'est un liquide jaune. D'accord. Plus ou moins, il peut arriver vers l'orange. D'accord. C'est tout dépend de sa composition en protéines. Donc, le liquide clair, c'est un liquide jaune citrin. Je répète, c'est un liquide qui est jaune citrin. Le deuxième aspect, c'est l'aspect hémorragique, ou bien le sirop hémorragique. D'accord. Le droit, le sirop hémorragique, ou bien hémorragique, c'est la couleur. Il est rouge. C'est la couleur du sang. D'accord. La troisième couleur, c'est la couleur purulente. D'accord. C'est l'aspect, bien sûr, verdâtre. D'accord. Et le quatrième aspect, c'est l'aspect laiteux. Qui m'a dit? C'est le cas de chylothorax. D'accord. Voilà. Je vais vous montrer. À votre gauche, vous voyez un liquide clair jaune citron, un liquide séro-hématique et un liquide chyleux. D'accord. Voilà, c'est le chylothorax. Maintenant, je vais vous dire une chose. Entre un aspect séro-hématique et un aspect hémorragique, c'est quoi? C'est que l'aspect séro-hématique se vont retrouver dans certaines pathologies tumorales. D'accord. C'est des métastases pleurales. Que le liquide pleural, il ne se coagule pas. Il ne se coagule pas. D'accord. Alors que dans l'hémothorax, il y a le sel hémoactif. Il risque, bien sûr, qu'on ramène un sang qui est vraiment très dense dans sa couleur, beaucoup plus vers une couleur rouge vers le noir, d'accord, et souvent qui se coagule. D'accord, voilà. Je m'excuse, je n'ai pas à vous montrer un liquide purulent, hein, je m'excuse. Voilà. Maintenant, quelles sont les analyses susceptibles de les pratiquer sur un liquide de la cavité pleurale? Il y a pratiquement cinq disciplines. D'accord. La spécialité, la quantité nécessaire et les tests spécifiques. Voilà. Il y a une quantité du liquide qu'il va partir en hématologie ou bien en hémobiologie. D'accord. Pour une étude cytologique, on a dit qu'il y a une composition cytologique naturelle, physiologique de la liquide pleurale. Donc, les hémobiologistes, ils vont pratiquer comme un frottis sanguin, un frottis cellulaire sur la composition cellulaire du liquide pleural. La deuxième élément, c'est l'élément le plus primordial, c'est l'étude biochimique. L'étude biochimique, elle est primordiale devant tout liquide clair, jaune citron clair. D'accord. Pourquoi? Vous me posez la question, pourquoi, bien sûr, un liquide purulent ou bien un liquide séro-hématique ou bien un chylothorax. Pourquoi? C'est tout simplement pour vous dire que le liquide séro-hématique, d'accord, le liquide purulent et le chylothorax, il est d'origine riche en protéines. C'est une cause à une agression directe de la plèvre. On n'a pas besoin d'analyser les protéines. Elle est d'emblée exudative. Elle n'est pas transudative. D'accord? Voilà. Mais le liquide jaune, c'est très clair. Il est obligé de faire une analyse biochimique. D'accord? Pour doser les protéines, la fraction de l'albumine, l'LDH et le LDH. D'accord? Il y a même, on peut faire une sérologie. D'accord? La sérologie, comme les ADA, l'adénosine des aminases. L'adénosine des aminases, le dosage des ADA dans la cavité pleurale, elle vient en secondo. D'accord? C'est quoi les ADA? C'est des dégâts, il y a des dégradations, d'accord? Des BECA. Parce que les BECA, parmi ces métabolites qu'elle peut libérer dans la cavité pleurale, c'est l'adénosine des aminases. Si on a une quantité importante des ADA dans la cavité pleurale, donc probablement, et bien sûr, comme un diagnostic de présomption, ce n'est pas de certitude, qu'on a devant un épanchement d'origine tuberculeuse. L'étude microbiologique, elle est très, très importante aussi. Soit, d'accord, un liquide qui est purulent pour faire l'étude des grains, la culture sur le milieu aérobie et anaérobie et la recherche des BECA, soit à l'examen direct microscopique ou bien à la mise en culture. D'accord. Si on suspecte, bien sûr, l'origine infectieuse, soit spécifique. Quand on dit une infection spécifique, on parle de la tuberculose. Quand on dit une infection non spécifique, on parle de reste des germes, des bactéries, gram positif,
les BGN, d'accord, qui sont susceptibles aussi de toucher la cavité pleurale par une infection. L'étude anatomopathologique, s'il était aussi très primordial, si on suspecte bien sûr l'origine malin, soit primitive ou bien secondaire, du liquide pleural, on va faire aussi le contact cellulaire et rechercher les cellules malignes de la cavité pleurale. D'accord? Voilà. On va récapituler dans ce petit tableau les différentes étiologies, d'accord, en fonction de notre orientation, bien sûr, étiologique, en commençant toujours par l'inspection, par l'aspect du liquide. D'accord. Si vous voyez un liquide qui est plus long, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les polynucléaires. D'accord. Les polynucléaires, j'ai dit avant qu'elle ne fait pas partie de la composition physiologique d'un liquide pleural à l'état normal, c'est-à-dire un liquide purulent. C'est de pus, le guéh, d'accord, soit de couleur jaunâtre vers le verdâtre, avec une odeur très fétide. Donc, on est devant une pleurésie, d'accord, purulente, riche en polynucléaires. Et souvent, si on fait l'étude anatomopathologique ou bien l'étude cytologique en hémobiologie, c'est des polynucléaires altérés. Quand on dit altérés, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans des dégâts avec les germes à l'intérieur de la cavité pleurale. D'accord. C'est une pleurésie purulente. Donc, vers l'autre côté, en rouge, un liquide qui est hématique, ou bien séro-hématique, ou bien carrément hémorragique. On a plusieurs étiologies. Soit vous êtes devant un cancer, soit pleural primitif, ou bien des métastases pleurales, soit c'est une embolie, parce que l'on est par un épanchement séro-hématique ou bien hémorragique, ou bien c'est un traumatisme par un choc direct, c'est-à-dire un hémothorax. Notre souci, c'est le liquide clair. Le liquide clair qui est souvent jaune citrin, c'est l'étude des biochimiques qui va trancher. Ça veut dire quoi? Soit on est devant un exudat, ou bien on est devant un transudat. Comment on va définir l'exudat d'un transudat? C'est le dosage des protéines dans la cavité pleurale. C'est, d'accord, les protéines dans la cavité pleurale, elle est inférieure à 30 grammes par litre, c'est un liquide qui est transudatif. Quand on dit un liquide transudatif, c'est des causes mécaniques, une insuffisance cardiaque, une cirrhose hépatique, un syndrome néphrotique, une hypoprotidémie, d'accord. Si le taux de protides dépasse les 30 grammes par litre, d'accord, c'est une pleurésie exudative. Quand on dit une pleurésie exudative, donc ça, il y a une inflammation à l'intérieur de la cavité pleurale. Si nous, les pneumologues, c'est notre souci, d'accord. Et ici, on va passer à notre exploration. C'est une étude cytologique. Voilà un liquide clair exudatif avec une prédominance polynucléaire. D'accord. Ça veut dire qu'on est devant quoi? On est devant une pleurésie purulente. Mais il faut faire attention. Pleurésie purulente, mais elle est au début. Ou bien elle est décapitée par les antibiotiques. Mais avant la constitution de pus, donc le liquide pleural est comme un exudat riche en polynucléaires, et après la constitution de pus, dit au dégât immunitaire entre les bactéries, l'agression bactérienne et le système immunitaire. D'accord. Et dans cette quantité, on peut avoir un nucléaire non altéré. D'accord. Parce que les altérés se vont dans le liquide franchement purulent. D'accord. Je vous donne un exemple. Avant la constitution d'une pleurésie purement purulente, il y a l'épanchement, bien sûr, en constitution. Parce que souvent, on a ce qu'on appelle l'épanchement pleural parapneumonique non compliqué. Ça veut dire quoi? Vous avez une pneumonie. Par contiguïté, elle va donner un épanchement pleural. D'accord? C'est une pleurésie parapneumonique, d'accord, non compliquée. Donc, on n'a pas encore de pus constitué. C'est la phase initiale de la constitution d'une pleurésie purulente. D'accord? Voilà.
C'est au niveau de, on est devant un liquide exudatif, mais ce n'est pas des polynucléaires. C'est des lymphocytes. C'est la prédominance des lymphocytes. On a dit que les lymphocytes représentent même pas une dizaine de pourcents. Mais s'il y a une augmentation des lymphocytes dans la cavité occlue, il y a d'origine infectieuse. C'est une infection spécifique de type tuberculose. Pourquoi ? C'est clair, on a dit ça en troisième année médecine, que la tuberculose, c'est une hypersensibilité retardée de type 4 qui fait intervenir quoi ? Les lymphocytes. Elle va recréer les lymphocytes. Donc, il y a une prédominance lymphocytaire dans la cavité pleurale, responsable, bien sûr, de son origine tuberculeuse. Dans certains cas, il faut faire attention que certains cancers, soit primitifs ou bien secondaires, elles donnent une prédominance lymphocytaire, bien sûr, dans le liquide pleural. Voilà. Ici, la formule, elle est panachée. Je viens de dire formule panachée. Ça veut dire qu'il n'y a pas une cellularité dominante. Il n'y a pas une cellularité dominante. Par exemple, dans la tuberculose, il y a une lymphocytose qui dépasse les 75, les 80%, qui dépasse. Mais si on a, par exemple, des lymphocytes à 45%, par exemple, des polynucléaires à 35%, donc il n'y a pas, c'est une formule panachée. On peut conclure qu'il s'agit d'une pleurésie réactionnelle. C'est le cas de l'épanchement parapneumonique non compliqué, par exemple, d'accord. Certains cancers et certaines maladies du système. On a dit avant la la polyarthrite rhumatoïde qui peut donner d'accord une pleurésie oxydative à formule panachée voire même dans certains cas qu'elle peut se transformer bien sûr par quoi à une pleurésie périodique. D'accord, c'est très rare mais on a vu ça. D'accord. C'est grosso modo, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on va récapituler devant un liquide clair jancétrin, l'étude biochimique, transsudat, exsudat, c'est le taux de protéines. D'accord. Mais ici, j'ouvre une parenthèse. C'est quoi cette parenthèse? Si vous avez une zone grise, c'est quoi la zone grise? On ne peut pas trancher. Est-ce que c'est un exsudat ou bien c'est un transsudat? D'accord. Vous avez un taux de protéines, par exemple, entre 28 à 32. Elle n'est pas franchement transsudatif et elle n'est pas franchement exsudatif. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut sortir de cette situation? Le liquide purulent, il est là. On le connaît, c'est bon. Le liquide hématique, hémorragique, séro-hématique, il est là. On a un liquide clair jancétrin. On est dans une zone grise à l'étude biochimique. Et c'est, on a une solution. C'est les critères de Light. Monsieur Light, Abdel Saha, on nous a fait des critères. D'accord. C'est quoi ces critères de Light? C'est faire des rapports. C'est de faire quoi? C'est des rapports. C'est quoi ces rapports? C'est de faire doser les protéines dans la cavité pleurale. On va les diviser sur les protéines, d'accord, sanguines, sériques, et de faire diviser le rapport entre le LDH pleural sur le LDH sérique. Ça veut dire quoi? Si on a devant une zone grise, on va refaire notre étude. Nous avons un liquide pleural, une autre quantité. Nous avons un prélèvement sanguin. Qu'est-ce qu'on va doser le prélèvement sanguin? On va doser les protéines totaux, les protéines totaux et le LDH sanguin. Au fil du liquide pleural, c'est la même chose. On va doser les protéines dans la plèvre et le LDH dans le liquide pleural. Et on fait les rapports. On a les deux résultats devant nous. Si vous avez le taux des protéines pleurales sur le taux des protéines sériques supérieur à 0,5, donc c'est un épanchement exudatif. Et si vous avez le LDH pleural sur le LDH sérique supérieur à 0,6, fait les protéines 0,5, fait l'LDH 0,6. Si elle dépasse les 0,6, c'est un liquide transsudatif. Mais pourquoi?
Parce qu'en réalité, dans la pratique courante, d'accord, on est devant des situations pareilles. Et je vous donne un exemple. Si vous avez un malade qui est cachectique, elle est dénutrée, d'accord, et la dénutrition, par exemple, elle est due à une néoplasie, d'accord, ou bien à une tuberculose. Ce malade dénutré, logiquement, il peut avoir un taux de protéines bas parce qu'il ne s'alimente pas, il se consomme, d'accord. Et on a un épanchement pleural liquidien dans une zone grise. Et on ne peut pas trancher. Est-ce que c'est un transfusion ou bien c'est un exsudat? Dans cette situation, on fait appel aux critères de Light. Ça veut dire quoi? On doit faire les rapports. On peut trouver, hein, d'accord, le taux des protéines inférieur à 30, par exemple à 25. Mais le malade, il a une hypoprotidémie. Donc le rapport est dépassé 0,5. Ça veut dire l'épanchement est exsudatif. On doit faire la biopsie pleurale. C'est une indication d'excellence. Et effectivement, dans plusieurs cas de ça, on retrouve une plèvre métastatique. Et on cherche le primitif ilio. Donc ça, à titre d'exemple. Voilà, je pense que j'étais clair pour bien vous expliquer la démarche diagnostique devant un épanchement pleural liquidien à travers une simple ponction. Vous voyez, une simple ponction pleurale, on a plein de diagnostics à discuter. Voilà. Et comme tout geste, on a des incidents et des accidents. Hein. D'accord. Il y a des incidents, il y a des accidents. C'est quoi? Le premier incident, c'est qu'on peut avoir une ponction blanche. Ça veut dire un tableau clinique, radiologique, et on a bien sûr une ponction blanche. La ponction blanche, elle est retrouvée dans 10 à 13% des cas. Entre 10 à 13% des cas. D'accord. Les trois éventualités possibles. On finit introduire l'aiguille, on ramène rien. Il y a trois éventualités. Soit on est devant une pachypleurite. C'est quoi la pachypleurite? Ça veut dire on est devant un diagnostic différentiel. Ce n'est pas un épanchement. Les diagnostics différentiels sont trois. Une pachypleurite, c'est rare. Donc c'est un épaississement pleural. Donc un assèchement du liquide pleural, il va devenir en os de sèche sur le plan radiographique. Donc, on se trompe, d'accord, et ce n'est pas un épanchement, c'est une pachypleurite, d'accord. Une atelectasie, comme j'ai dit, parce que l'atelectasie, comme l'épanchement, opacité, dense, homogène, mais l'atelectasie, elle est rétractile. L'épanchement, c'est le contraire, il refoule sur le plan radiologique, parce que c'est un effet de masse. Par contre, l'atelectasie, les autres viscères, parce qu'il y a toujours un équilibre de pression. Ils vont vers le côté. Ils vont sur l'espace. Ça veut dire les éléments de métiastin, ils s'attirent vers la tilictase. D'accord. C'est le contraire aux épanchements qui refoulent des éléments de métiastin vers le côté contralatéral. Ou bien c'est une pneumonie. Hein. Ce n'est pas carrément une réaction pleurale, c'est une pneumonie. La deuxième éventualité, ce n'est pas un problème de diagnostic différentiel. Si notre repérage il est défectueux. Et des fois, s'il est difficile, d'accord, on peut faire appel à une échographie transthoracique de repérage. L'échographie, si on a bien sûr une ponction blanche ou bien une petite quantité de liquide, à travers l'échographie, on peut repérer la poche du liquide avec un stylo ou bien directement, on va introduire notre aiguille et ramener le liquide. Ou bien, on est devant un liquide qui est cloisonné par l'hybride membraneuse à l'intérieur. D'accord. Donc, si le liquide il est retrouvé, on le jette entre des brides. C'est le cas des pleurésies pyrénantes. Il y a des brides à l'intérieur. Il y a des petites poches. Mais là, sur le plan radiographique, poche là. Là les rayons tangentionnels, c'est bien. Bien sûr, par le site de silhouette, la sémiologie radiologique, c'est bien comme est sur l'image. Alors qu'il est, on le jette. On dit l'aiguille, alors que c'est un liquide qui est cloisonné. D'accord. C'est les trois éventualités de la fameuse incident, c'est la ponction blanche. On peut piquer le poumon. C'est rare, mais on peut piquer le poumon. Donc, si souvent, c'est un incident qui est bénin, d'accord, on peut avoir du sang lors de la ponction pleurale. On peut même voir des symptômes, hein, si on a vraiment piqué profondément le poumon, que le malade peut tousser,
voire même on peut avoir une petite hémoptysie, hein, d'accord. Et parfois, hein, il y a des hémoptysies cataclysmiques. Hein, donc, il est rare, souvent bénin, mais on peut avoir des dégâts. Le pneumothorax, comme on a dit la définition du pneumothorax primitif et secondaire, d'accord, c'est le spontané, mais on a le pneumothorax traumatique. Le pneumothorax traumatique peut être iatrogène, dû à une biopsie pleurale ou bien une ponction. D'accord. Donc, c'est une complication la plus fréquente en matière des ponctions pleurales. Elle se voit souvent chez 11 à 30% des cas. D'accord. Et si on a un pneumothorax traumatique iatrogène, souvent, il est difficile à gérer par une simple exsufflation. Et le drain thoracique, il est nécessaire chez 2% des patients, bien sûr, susceptibles de développer un pneumothorax après une ponction pleurale. D'accord. On peut avoir des troubles vagotoniques, d'accord, une maladie de l'éthylec carrément, par des syncopes vagales pendant l'examen ou bien au moment de pratiquer les gestes. On peut faire une prémédication. Hein. La prémédication est indiquée beaucoup plus par mon expérience personnelle. Hein, si les sujets gênent, parce qu'ils ne tolèrent pas, on peut faire alatropine, injection de l'atropine en sous-cutane. D'accord. Pour les infections et les blessures des organes sous-diaphragmatiques, il est vraiment rare. On a rarement vu ça, d'accord, comme une complication de la ponction pleurale. Et voilà. Je reviens à un point très important en matière de la ponction pleurale évacuatrice. Si on va vider rapidement et de façon rapide le liquide pleural, on va déséquilibrer, bouleverser de façon grave, les pressions à l'intérieur de la cavité pleurale et on peut avoir un syndrome d'intolérance à l'évacuation du liquide ou bien l'œdème à vacuo. C'est un œdème unilatéral. D'accord, qui est secondaire à une évacuation trop rapide du liquide pleural de la cavité pleurale. Il a ces symptômes que le malade il peut avoir une restriction thoracique, de l'atout, de l'oppression thoracique, de la dyspnée et une malaise générale. Il faut faire attention, d'accord. Donc c'est pour ça on préconise toujours de faire une aspiration douce et vider doucement la cavité pleurale pour éviter cette dépression et l'installation de l'œdème à vacuo. Voilà. Et même la quantité, elle joue un rôle. Hein. Même si on fait une aspiration douce, il ne faut pas jamais dépasser une quantité. Hein. Surtout en lit cancéreux, un litre déjà, c'est largement suffisant. Hein. Pour les autres cas, un litre et demi à deux litres, elle est largement suffisante. On ne doit pas dépasser parce que vous imaginez les méthorax. Qu'est-ce qu'il peut avoir? On peut avoir 5-6 litres normal. Hein, si l'épanchement est de grande abondance. Un simple cul-de-sac. Simple cul-de-sac, il peut cacher 500 cc. C'est-à-dire, nous, c'est là. 2000 litres. D'accord? Il faut faire attention. Voilà. C'est ça, grosso modo. Et je vous remercie, d'accord, pour sa première présentation concernant la ponction pleurale. D'accord? Smaïl, je ne sais pas s'il y a des questions. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas. C'est à vous de me dire ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de questions. Je pense que si j'étais clair, je passe directement vers la deuxième présentation pour terminer la biopsie pleurale. Oui. Oui, très bien, parfait. Je pense que je n'ai pas de commentaires ici. Voilà. Très bien, parfait. Voilà, on va essayer de passer à la biopsie pleurale pour aller plus vite. Hein. D'accord. Voilà. Très bien. Smaïl, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, docteur. Est-ce que l'akhar, je ne sais pas, est-ce que vous avez la présentation de la biopsie sur vos écrans? Non. Comme ça?
Non. Mazal ma kanch. Mazal ma kanch. Juste une minute. Je vais essayer de régler ce problème. Très bien. Je partage le screen. Oui, share le screen. Les fenêtres d'application. Et je partage ça. C'est bon? C'est bon, Smeril? Oui, c'est bon. Très bien, parfait. Et on va essayer de bien sûr, de voir la biopsie pleurale. La biopsie, c'est un outil d'exploration très préféré en pneumologie. D'accord? Parce qu'à travers la biopsie, on peut avoir un diagnostic de certitude. Comme l'étude bactérienne, l'étude bactériologique pour chercher, par exemple, un germe ou bien de BK dans la cavité pleurale, la biopsie aussi, c'est une étiquette histologique. Elle est très, très importante. C'est un outil d'avoir un diagnostic bien précis sur l'origine d'un épanchement pleural exudatif d'origine indéterminée. C'est quoi la biopsie pleurale? Je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu des informations sur ce geste? Est-ce que vous avez déjà vu une biopsie pleurale avant ou non? Je ne sais pas, mais je pense avec des photos, je pense que vous avez appris beaucoup de choses sur ce geste qui fait partie de notre pratique courante en pneumologie, d'accord? Vous voyez déjà la plèvre, la plèvre elle-même, elle est riche en explorations. Vous imaginez actuellement, il y a la fibroscopie bronchique pour explorer la plèvre. Actuellement, on parle de la fibroscopie bronchique interventionnelle. On parle de la somnographie, la polysomnographie, la médecine du sommeil, c'est avec le labo du sommeil, l'allergologie, la tabacologie. Donc, la pneumologie, elle est très, 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 très riche. Donc, en exploration, maintenant, ailleurs, c'est dommage pour nous, la pneumologie, elle commence bien sûr de sortir de son tableau classique. Actuellement, c'est des micro-spécialités. Donc, elle est très, très, très riche en explorations. Et vous voyez, c'est des gestes simples. Comme on a des somnologues, on a des pleurologues, on a des bronchoscopes. Donc, il y a plein de disciplines d'exploration en pneumologie. Et parmi les explorations les plus classiques, c'est la biopsie pleurale. La biopsie pleurale, comme vous voyez, d'accord, elle est là pour faire quoi? Pour établir un diagnostic étiologique. Quand on dit un diagnostic étiologique, c'est un diagnostic de certitude. De quoi? Mais de quoi? De quoi? D'une pleurésie exudative d'origine indéterminée. Quand on dit pleurésie exudative, ça peut être un liquide clair ou bien un liquide séro-hématique. Parce que le liquide séro-hématique, dans ces étiologies, il y a le cancer, il y a la néoplasie, on a besoin d'une étiquette histologique. Mais ce n'est pas le cas d'une pleurésie purulente parce que l'origine infectieuse, il est là, ce n'est pas la peine. Mais une pleurésie exudative d'origine indéterminée, c'est bien sûr l'indication d'excellence de la biopsie pleurale. Mais il faut savoir que l'utilisation de la biopsie pleurale à l'aveugle reste toujours d'actualité. Mais je signale l'aveugle, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de la cavité pleurale. D'accord? Voilà. Elle est initialement décrite par M. Kopp et Abrams dans les années 1950. M. Kopp et Abrams, la pince d'Abrams. D'accord? On a plusieurs pinces. Donc, on a Castellan, l'Abrams et le Boutin. Trois pinces utiles pour faire la biopsie pleurale. L'objectif, c'est avoir une étiquette histologique. Fragment de biopsie, étude anapath. D'accord? Et parfois, une étude bactériologique. D'accord, voilà. C'est quoi le principe? C'est faire, bien sûr, ramener un fragment, ou bien obtenir un fragment de la plèvre pariétale. Ce n'est pas la plèvre viscérale, parce qu'on peut blesser. C'est la plèvre pariétale collée à la paroi thoracique. Une analyse histologique, et voire même une analyse microbiologique. C'est-à-dire la mise en culture de fragments. Donc, on peut avoir, bien sûr, l'évolution des PK dans ce milieu de culture. Mais il s'agit d'un abord pleural à l'aveugle. Ça veut dire quoi à l'aveugle? On ne sait pas, on ne voit pas. C'est pas comme la pleuroscopie, il y a une caméra, on voit, on peut diriger. Mais à l'aveugle, il est à l'aveugle, sans être échographique ou radiographique. D'accord? Donc, elle est faite à l'aveugle.
quoi le matériel nécessaire? Le matériel principal, c'est les aiguilles. Les aiguilles de biopsie. Vous avez trois aiguilles. Celle de Cope et Abrams, donc inventée en 1958. Castelin, moi personnellement, je travaille avec l'aiguille de Castelin, fondée en 1964. Et plus récemment, c'est le boutin. La pince de boutin, c'est à usage unique, donc ça veut dire qu'elle est jetable. D'accord? Voilà. L'aiguille de Castelin, elle est devant vous, fait à trois pièces. D'accord? Vous voyez ici un trocard, un mandrin et la pince à biopsie. D'accord? C'est tout l'aiguille de QC. C'est le même principe. D'accord? Nous avons le besoin de faire un peu de temps, le trocard, on a la pince terne. D'accord? On a la pince terne pour faire aussi. Pratiquement, elle faisait entre 15 cm. D'accord? 15 cm. Le matériel nécessaire, vous avez toujours du plateau. Le plateau est bien comme. Comme les gants stériles, les compresses, la bétadine, la seringue, parce qu'avant chaque biopsie, les amener une ponction pleurale. On doit confirmer la présence de liquide pour faire la biopsie pleurale. Vous voyez les tubes, le liquide, d'accord, si on a besoin d'autres explorations, c'est le liquide pleural. Vous avez devant vous un robinet. D'accord. Les seringues avec l'exilocaïne, l'anesthésie, parce que vraiment, on a besoin de l'anesthésie locale. Comme bisturé, parce qu'on va faire une pleurotomie à minima. On va faire l'ouverture avec bisturé avant d'introduire la pince. Alors, un autre bisturé. D'accord. Alors, l'atropine, les gouttes, comme il faut préparer le patient, on ne sait jamais. Mais de préférence, on déroule en succutané sur l'épaule pour éviter le choc vague. D'accord. Et bien sûr, un fil de suture, parce que vu qu'on va faire une petite incision, qui a le plan cutané ou sous-cutané par le bisturi, on a besoin de suturer, d'accord, à travers l'aiguille. Et on a deux flaques. Un fait le formol pour fixer les fragments de biopsie, et l'autre fait le sérum, d'accord, si on a besoin de la mise en cure. D'accord. On va les renseigner avec la lettre F, formol, la lettre S, sérum. Voilà, les modalités, je passe, d'accord, aux images. Les images sont plus claires pour vous expliquer. Comme ça, vous avez une idée sur la biopsie pleurale. Pour garder une mémoire visuelle, c'est pas pour liser directement les planches. Toujours, classique comme la ponction. On commence d'abord par une ponction pleurale. Cherchez toujours le liquide parce qu'on a besoin de liquide pour faire la biopsie. Si on n'a pas de liquide, on va faire des dégâts. Donc, on a besoin de liquide. Laissez-moi qu'on a une quantité de liquide dans la plèvre pour faire la biopsie pleure. D'accord. Une large désinfection de façon circulaire. Si le même malade, le matin, la présentation initiale à la ponction pleure, si le même malade, on sait que c'est un exudat, on a complété les explorations de la d'accord. Une large désinfection. On a parlé avec le malade, on a lui expliqué le geste, on l'a rassuré. Au dernier lieu, la tropie en sucutane, en position. Désinfection. On barrette, on confirme la présence du liquide dans la cavité pleurale. Une ponction exploratrice. Effectivement, on a du liquide. On a du liquide. D'accord. Je m'excuse pour une minute. Ah, bah. Je vais commencer par une ponction pleurale pour confirmer le liquide. Et maintenant, c'est le geste proprement dit. C'est quoi ce geste proprement dit? C'est de commencer de faire la biopsie pleurale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une anesthésie locale. On fait appel à la lidocaïne dosée à 2%, d'accord, à travers une petite seringue, on préfère de 10cc, d'accord. On va introduire notre aiguille, d'accord, comme le principe de la ponction pleurale.
On va introduire l'aiguille. Déjà qu'il donne la ponction, on sait approximativement l'espace pour arriver. Et vous voyez, si vous êtes très intelligent, vous voyez qu'on a changé l'aiguille. Ici, elle est verte. Si l'aiguille est à 10 cc, mais on a placé la grise. Pourquoi? Parce qu'elle est plus longue. On sait déjà. Donc, c'est le liquide. Donc, il est à l'intérieur. On a besoin de ça. Donc, on va introduire notre aiguille. Donc, là, pour faire la quantité, donc pratiquement, entre 7 et 10 cc de xylocaïne, il faut poser la question au malade, est-ce que vous avez l'habitude de faire, bien sûr, l'extraction des dents à travers l'anesthésie locale pour éviter les effets secondaires allergiques? Si il vous dit oui, donc vous pouvez introduire l'anesthésie locale de façon plus à l'aise, d'accord, de façon plus à l'aise, et de façon du même principe, hein, je dis bien le même principe de la ponction. On va introduire et on commence l'aspiration. Si on reçoit, dès qu'on reçoit le liquide dans la cavité pleurale, je ne sais pas, est-ce que c'est vous clair? Si vous parlez clair sur l'image, vous voyez, hein, l'anesthésie dans cette photo, elle est claire. Mais là, elle est devenue louche. Donc, elle est le liquide très. Donc, il y a changement de la couleur de l'anesthésie transparente vers une couleur plus louche parce qu'il y a du liquide. Dès qu'on a du liquide, qu'est-ce qu'on va faire? On injecte une petite quantité, plan par plan. D'accord, on sortira tout doucement. Parce que ce que nous intéresse, c'est l'anesthésie, de faire l'anesthésie des plans cutanés, sous-cutanés, adipeux, à telle la plèvre. Donc, on va faire une anesthésie sur le trajet pour faire introduire la pince sans douleur. D'accord? Donc, plan par plan, plan par plan, à telle la chalso, à tel le plan sous-cutané. D'accord? Après l'anesthésie, je m'excuse si tu fais ton pareil. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas déjà les chouillards. On va prendre quelques secondes pour que l'anesthésie marche. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est de dire une désinfection et à travers la bisturie, toujours le même principe. Le bord supérieur de la carte inférieure, le même siège de la ponction. D'accord? On va essayer de créer un trajectoire à travers la bisturie. D'accord? Le plan cutané, le plan sous-cutané, d'accord, du patient. Voilà. Après, on va introduire notre aiguille. Elle est là. D'accord. Pour faciliter la transduction, derrière une petite brèche par la bisturie, on va nous drôler. D'accord. Tout doucement. On ressentira, d'accord, une résistance. C'est qu'on est arrivé à la pièvre. Elle va devenir très difficile. Donc, tout doucement, donc, avec la résistance, dès que la résistance est électrique, des fois, on va entendre comme un claque à l'intérieur avec le manipulateur, tout doucement, d'accord, parce que tu rebouches l'aiguille. Donc, il y a une résistance, la résistance. Ça veut dire que la pince, elle est à l'intérieur de la cavité pleurale. Dès qu'elle est à l'intérieur, vous voyez ici, qui est actuellement à l'intérieur de la cavité pleurale. Qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? Je m'excuse. On va changer. Qu'est-ce qu'on va changer? On va prendre le mandrin, on va mettre la pince. Ça veut dire, je m'excuse. Voilà. La partie pleine, les traînes biha, d'accord? Ou là, on va la pince proprement dite. Mais ça, elle nécessite de quoi? La collaboration du patient. Parce que c'est le moment le plus délicat, la biopsie pleurale avec l'aiguille de Castelin. Ça veut dire que le malade, il doit être bien coopérant. Mais les hommes, il ne doit pas respirer, ni inspirer, ni expirer de l'air pendant 3 à 4 secondes, le moment pour faire changer les. Pour faire le mandrin, d'accord, on dakhlo la pince proprement dit, d'accord, voilà. Et que, d'accord, vous voyez, la coopérance du malade, elle est très très nécessaire, il faut arrêter l'inspiration, d'accord, on va retirer rapidement le trocar et introduire l'aiguille, d'accord. L'aiguille, elle est à l'intérieur, d'accord, on va la plaque, ah, l'espace, côte, ah, l'aiguille, on va la plaquer, qui m'a la photo, la plaquer,
pour que la pince ترجع à la cavité pleurale, la plèvre pariétale, la plaque humaine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des mouvements de rotation. Qui m'a la photo? Des mouvements de rotation pour faire racler, un petit fragment de la plèvre pariétale. Voilà. Et vous voyez qu'on a pu ramener une belle partie, un beau morceau, d'accord, de la plèvre pariétale. D'accord. Qu'on va la plonger dans le formol. Et on va terminer toujours, d'accord, notre geste par quoi? Par une ponction évacuatrice pour bien sûr soulager notre patient. À travers, bien sûr, la même aiguille et une source d'aspiration par le liquide dans la cavité pleurale avec, ce raccord. D'accord? Donc, grosso modo, c'est ça comme un geste pour vous expliquer c'est quoi la biopsie pleurale. Et comme tout geste, bien sûr, on a des complications qui sont rares, entre 1 à 3% des cas. Et souvent, c'est le pneumothorax, d'accord? C'est comme la ponction, d'accord? Donc, iatrogène et iatrogène, parce que le malade, il n'a pas bien coopéré, il n'a pas arrêté l'inspiration, ou bien, bien sûr, on a touché le poumon et on a créé un pneumothorax. Il y a aussi l'hémothorax, des plis diaphragmatiques, hépatiques, spliniques, qui sont très rares. On voit pratiquement... Dans ma vie, petite vie professionnelle, donc on n'a jamais vu ces complications. Sauf bien sûr un pneumothorax. Quels sont les résultats? Voilà. Les résultats, je répète, elle est bien sûr relationnelle avec quoi? Parce que la biopsie pleurale, elle est faite à l'aveugle. On ne sait pas on va racler où, de quelle partie de la plèvre on peut ramener. Donc, cette petite partie, ce fragment, d'accord, et c'est pour cette raison, dans les pathologies tuberculeuses, dans la pleurésie tuberculeuse, la biopsie pleurale à l'aveugle, elle peut ramener le diagnostic dans 60 à 80% des cas. D'accord. Et bien sûr, si on va faire appel aux analyses bactériologiques et la mise en culture, d'accord, le diagnostic et la sensibilité, voire la spécificité de l'examen, elle peut varier entre 80 à 100%. Mais par contre, la rentabilité de ce geste en matière des pathologies cancéreuses et pathologies malignes, d'accord, c'est le cas par exemple des métastases pleurales, le mésothéliome, la biopsie, elle apporte le diagnostic pratiquement dans 40 à 43% des cas seulement. D'accord. Et dans 20% des cas, d'accord, alors que l'association biopsie et cytologie, c'est-à-dire la recherche des cellules malignes, d'accord, dans la cavité pleurale, elle peut augmenter la sensibilité seulement 15%. Il y a dans les meilleures conditions, 60% des cas. Et quand on dit une pleurésie métastatique, dans 43% des cas, on peut avoir un diagnostic. Mais dans le mésothéliome, malheureusement, le diagnostic par biopsie, il est apporté que dans 20% des cas. D'accord? Voilà. Et des fois, les biopsies sont revenues sans particularité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un diagnostic de certitude. Et je répète que la technique, tant qu'elle est réalisée à l'aveugle, sa rentabilité, elle reste minoritaire. Mais aussi, d'autres conditions... La qualité du fragment, si on peut ramener des petits fragments, d'accord, donc, ou bien même pas, c'est des fragments de la plèvre, c'est du muscle par exemple, l'étendue des lésions, une lésion étendue, ce n'est pas comme des petites lésions, la localisation de cette lésion et la localisation et le siège de la biopsie, le nombre et le site des biopsies, et bien sûr l'expérience de l'opérateur parce qu'il est opérateur dépendant. Voilà. Je pense qu'on a terminé pour vous dire en conclusion que la biopsie pleurale à l'aveugle, elle peut être proposée devant les bilans étiologiques de tout épanchement pleural exudatif d'origine indéterminée. Donc, elle est indiquée en première intention lorsqu'il s'agit d'une orientation étiologique pour une tuberculose ou bien une pathologie néoplasique. D'accord? Avec le reste du faisceau d'argument, on peut faire conclure le diagnostic. C'est un geste simple, peu de complications,
mais quand même, on peut obtenir un diagnostic dans plusieurs, bien sûr, pathologies. Brèvement, c'est ça. Et je pense, avant de terminer, bien sûr, je vais vous montrer, bien sûr, quelques photos, d'accord, de la thoracoscopie, pour vous dire brèvement qu'elle est très, très importante, la thoracoscopie médicale, parce qu'on va introduire une caméra directement dans la cavité pleurale. Donc, c'est un geste purement médical. L'avantage, qu'on va orienter nos biopsies, voir l'aspect macroscopique des lésions. On peut avoir plusieurs choses comme vis diagnostique et voire même les vis thérapeutiques. D'accord. Je ne vais pas vous... Voilà, toujours un trocard, un mandrin, bien sûr la pince, le canal opérateur. À travers ce canal, donc on peut avoir beaucoup de pinces pour faire les gestes. Je ne vais pas vous dire par rapport aux complications. Mais les indications initiales, le gold standard d'une thoracoscopie, c'est le pneumothorax pour visée thérapeutique. D'accord ? Les biopsies pleurales avec le talcage. Le biopsie, visite diagnostique. Le talcage, d'accord, visite thérapeutique. Les biopsies pulmonaires, des fois, voire même, si on a des lésions sur la surface pulmonaire, on peut faire appeler la thoracoscopie pour faire des biopsies. Si on a un nodule pulmonaire périphérique, c'est toujours le même principe, avoir une étiquette histologique. Et la simple tectomie thoracique, je vais vous expliquer c'est quoi. Je vais vous montrer des images carrément de la thoracoscopie dans les pleurésies consuleuses et la pathologie tumorale pleuropulmonaire. Ici, sur votre droite, une formation bourgeonnante dans la plèvre et elle représente un mésothélium, un aspect en grappe de raisin, volumineux, d'accord ? Masse unique, c'est quoi? Avec une plèvre hémorragique très inflammatoire autour. Donc, c'est un mésothélium. Par contre, la photo à côté, sur votre gauche, c'est une plèvre métastatique, pleine de métastases pleurales. Vous voyez ces formations nodulaires, d'accord? Ces formations nodulaires métastatiques. Voilà, c'est une plèvre qui est métastatique. Voilà, du sang, hein, il y a du saignement, hein, d'accord? Voilà, il y a de l'hémorragie autour des métastases pleurales qui peut générer des épanchements séro-hématiques. Voilà. Pour les pleurésies cancéreuses et la pathologie tumorale pleuro-pulmonaire, vous voyez un nodule pulmonaire périphérique. On peut faire une biopsie là. D'accord? Voilà. Et on peut faire, d'accord, repérer cette lésion avec le bleu de méthylène pour bien guider, bien sûr, notre biopsie. Et vous, si vous voyez l'aspect de la plèvre normale, vous voyez l'aspect de la plèvre, vous voyez les côtes, l'espace intercostal, la plèvre, ce n'est pas le cas comme celle-là. Vous voyez une plèvre maligne, soit primitive ou bien secondaire, par rapport à une plèvre qui est normale. Vous voyez les nodules périphériques, hein, repérés par le bleu de méthylène. Voilà. Vous voyez devant vous une pleurésie tuberculeuse. Elle est là. Vous voyez le poumon, la cavité pleurale, les côtes. Et c'est un liquide libre dans la grande cavité pleurale, c'est la pleurésie tuberculeuse. Par contre, ici, qu'est-ce que vous voyez? C'est des plaques calcifiées, blanchâtres, pleurales. C'est les plaques asbestosiques. C'est une maladie professionnelle, c'est l'asbestose que je peux manifester par des plaques pleurales. Voilà, pour faire aussi le talcage comme un geste thérapeutique, soit dans les pleurésies récidivantes, d'accord, les pleurésies récidivantes d'origine maligne, ou voire même les pneumothorax pour faire des gestes. C'est le pneumothorax sur récidive quand on a discuté, c'est le talc à travers ces produits chimiotactiques à l'intérieur de la cavité pleurale qui va créer une inflammation très importante pour faire coller les deux feuillets de la plèvre l'un sur l'autre. Vous voyez devant vous, voilà, une pleurésie purulente avec les brides, les logettes à l'intérieur. Vous voyez, c'est les brides et les fausses membranes d'une pleurésie
purulente, compliquée ici, d'accord, c'est une plérésie purulente. Le liquide se retrouve dans des logettes, dans des parois, vous voyez, d'accord. C'est la thoracoscopie. Pour le pneumothorax, c'est bon. Si la bulectomie, si le curatif soit un talcage, ou bien on peut faire une résection des bulles, une résection des bulles, sur, bien sûr, par la thoracoscopie. J'ai montré ça. Vous voyez des blebs. Et vous voyez une bulle d'emphysème. D'accord. Voilà. Ça, c'est une bulectomie. Avec la bulle, elle est là. Et voilà, endoscopiquement par le pleuroscope, et il n'y a plus de bulle. Donc, il y avait du saignement, c'est tout à fait normal. Donc, on a fait une bulectomie, d'accord, avec une simple thoracoscopie. Le talcage est aussi indiqué. Et voilà, pour vous dire clairement, d'accord, que la thoracoscopie, donc, c'est une utilité très, très importante. Mais on a vu la pathologie infectieuse, la pathologie tumorale. Je vous dis une chose pour le syndrome vasomoteur des membres supérieurs. Il y a toujours un syndrome vasomoteur des membres supérieurs. Donc, il y a toujours une hypersécrétion palmaire, d'accord, avec des douleurs. On peut faire appel à la thoracoscopie pour faire une sanction de la chaîne sympathique dorsale au niveau du plexus. Le deuxième, le troisième et le quatrième ganglion dorsaux qui représente le traitement le plus efficace de l'hyperhidrose axillo-palmaire. C'est la sympathectomie par thoracoscopie, bien sûr, ou par électrocoagulation pour faire la dissection de, cette chaîne sympathique par dissection ou par exécution. D'accord? Grosso modo, c'est ça. Et je pense qu'on a terminé par les modalités d'exploration de la plèvre. Je pense que vous avez retenu plein de choses. Je pense que c'était bénéfique pour vous. J'aimerais bien maintenant de faire passer la parole à Smaïl, si il va, il m'entend maintenant, d'accord. Smaïl, vous êtes là? Oui, docteur. Bon, j'ouvre la parole, j'ouvre la parole à mes collègues. Vous-même, si vous avez des questions, je vais essayer de répondre. Oui. Si vous avez, si nos collègues ont des, bien sûr, des questions. S'il y a des questions. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. On a combien de participants aujourd'hui, Ismaël? Très faible, les participants, mais le nombre de participants. Mais, alors, me demande yani, des cours en fait. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? La BPCO, le oui. Code de BPCO, et des cas cliniques sur les pneumopathies infectieuses. Oui, sur les pneumonies. Ok. Oui, ok, c'est prêt. Alors on va fixer une date. Oui, parce que je m'excuse. Je pense, peut-être une minute. Et voilà, si vous me permettez, une minute. Voilà. Je pense, ils ont chanceux. Vous voyez, Ismaël? Oui. Voilà, c'est des cas cliniques sur les pneumonies aiguës communautaires, sur les PAC. C'est très bien. Voilà, donc on a une présentation, d'accord. C'est des cas cliniques, comme la dernière fois. Oui. Donc, on va essayer de faire une partie théorique et une partie pratique, d'accord. On va la programmer, Inch'Allah, d'ici une semaine, dizaine de jours, Inch'Allah, d'accord. Oui, Inch'Allah. Voilà, donc tant qu'elle est prête, hein, d'accord, tant qu'elle est prête, donc on peut avancer, il n'y a pas de souci. Si bien sûr nos chers étudiants, ils demandent ça, j'ai aucun souci, d'accord, avec un grand plaisir. Merci beaucoup, docteur. Inch'Allah, on est interactif. Bien sûr, hein, donc s'il y a des cas cliniques, les hommes sont interactifs, c'est très, très important, oui. Pour bien fixer les idées, d'accord. Inch'Allah.
Eh bien, avant de vous clôturer, mon ami Ismaël, Marwa aussi, donc, il est aussi remercié pour ses efforts. Je vous remercie moi-même pour votre élégante présence aujourd'hui, donc pour votre participation avec moi. J'espère que c'était bénéfique pour vous. D'accord. Le plaisir est partagé de moi-même, je pense, pour vous aussi. Et bien sûr, le grand merci pour Ismaël et Marwa pour ses efforts fournis. Espérons qu'on va se retrouver dans les prochains jours pour discuter, Inch'Allah, un autre sujet concernant la pathologie infectieuse pulmonaire, les pneumonies aiguës communautaires. Voilà, merci autrefois et à la prochaine, Inch'Allah. Voilà, le parole est pour vous, Ismaël. Voilà. Inch'Allah, docteur, merci beaucoup. Barakallahu fik, ala juhoudk hadi li rak msakharha lkoul talaba. Inch'Allah, hada lvideo rah yibqa enregistré la chaîne. باش من بعد يقدر اي واحد يقدر يطلع عليه. اذا نختم فنقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك دكتور.